Bonjour Van. Bonjour Laurent. Une question autour de ton périple, parce qu'il y avait une anecdote que j'ai trouvée intéressante de ton périple au Conservatoire national de Paris. Tu es rentré dans la classe de Jacques Rouvier, mais au départ, il y a eu deux choix et le choix s'est fait pas vraiment au hasard. Il y a eu une petite anecdote par rapport à ça. Ça aurait pu être autre chose que le piano. Ça aurait pu être autre chose, le piano, en effet, puisque je voulais également entrer en direction d'orchestre. Le seul problème vraiment majeur à l'époque, que je ne parlais pas français. Donc, au piano, c'était simple. Personne ne m'a demandé de m'exprimer en français ou en autre langue d'ailleurs. Je suis arrivé, j'ai joué et j'ai attendu les résultats et j'ai appris que j'étais pris. Alors qu'en direction d'orchestre, déjà, il y avait les premières épreuves. Avant d'accéder devant l'orchestre pour diriger, pour montrer si on sait ou on ne sait pas, il y avait toutes les épreuves théoriques, y compris l'analyse. Donc, on m'a donné une feuille de papier avec des questions écrites en français. Et pour moi, à l'époque, le français, c'était du chinois. Donc, je regardais la feuille, je levais les yeux, il y avait l'examinateur qui posait des questions, je souriais. Et voilà, je comprenais rien. Donc, j'ai rendu une copie blanche. Pas forcément. Quand vous rendez une copie blanche, vous n'êtes pas pris dans la classe. Donc, c'est vrai que j'aurais pu tout de suite intégrer les deux classes, mais je n'ai pas eu cette chance. Merci Van, à demain. À demain.